journée, on a dit gagner un ministre de l'Intérieur tout neuf et à Haïti qui est monté là bon, pas un remplacement, à vrai dire, là, suppléé à absence ministre Audin qui a dit à l'étranger pour des soins médicaux. Nous souhaitons ministre là, et bon rétablissement. Mais Gonzague D qui est là et Gaëtan a annoncé la couleur Lorenzki et j'ai affronté de menaces en prévision de 7 février m'a dit Gonzague, est-ce que le trompe est l'époque? Nous connaissons petite Edner D, sans doute l'été qu'on n'aurait pas parlé dans la période de dictature qui était à agi tant coup et société a parlé d'rien pour yo droit de l'homme pas de rien. Est-ce que le trompé l'époque peut-être dans fin émission sont capables n'a passé ti musique ça qui dit si on pas si on pas ouais temps changer c'est pas même temps encore. Sorry pour nous peuple, ça c'est pour un peuple qui a quitté opprimé, c'est pour un peuple qui a accepté que foulé droit en papier. C'est pour un peuple qui a accepté que des acquis démocratiques au prix de grands sacrifices que nous consentis, nous payons de notre sang, de notre chair, pour nous gagner un petit morceau de démocratie, ça. Et nous regrette pour des apprentis dictateurs qui comprennent, qui sont capables de venir fouler, et nous sommes capables de dire ça, à qui ça, en bas pied. Sorry pour vous, Gonzague D. Vous semblez tromper d'époque et pays à bon réponse pour vous montrer vous pas peur d'ailleurs ça qui passait dans Miragouane avant hier là montre que si tentative ça yo nous pas besoin faire encore yo pas mener nos pièces côté et d'ailleurs j'aime te dire hier dans intersection yo montrer une atmosphère de fin de règne. Généralement les régimes yo rivé dans bout yo c'est toujours yo comme ça yo sorti griffe yo perdu contrôle. Il a perdu le nord, il a fait des bagages inconsidérés qui, et conséquences, c'est pour yo encore, par exemple, on tentative, on arrestation d'Enel Kassi dans le contexte ça, quel que soit dirigeant qui s'est rué, yo tabdou, mon cher, c'est du feu, c'est du feu, wap mette, c'est l'huile wap mette sur le feu, et de fait, notez, ouais, pays a été pratiquement pral embrasé. Tout partout, Port-au-Prince, caoutchouc dans la soirée, route commence à couper dans les nip, son situation explosive que nous avons gagné, et peuple a tout dit, il a tout fait, il a pas attendu 7 février, donc il a couru en catastrophe, la guerre militaire, la guerre Nenel Kassi, et hier, Lovensky m'a attendu Nenel Kassi qui a parlé, moins saisi pour parole moins tendez Nenel dit et me fait confiance d'ailleurs parole ça veut pas dit en présence Nenel seulement t'es gain l'autre dirigeant qui est là tout qui tendez les commissaires débarqué dans le commissariat et Miragouane pour le vin dit faut qu'il arrête Nenel le mandé pour qui ça pour le dit c'est président qui bat l'ordre. Président de la République là-bas, l'ordre pour l'arrêter Nenel. Et le dit président, insister pour l'arrêter. Il n'est pas capable d'arrêter. Ce n'est pas lui qui voulait ça. Il va gagner à Nenel si c'était pour lui. Il n'est pas capable de faire. Mais président, insister. Et comme il peut pour ne pas prendre l'exil, il est obligé de faire. Donc, les maps des barrages, ça, me dit Jovenel, paie du tête. Li. Alors, hier, ministre de la Justice, là, dans la conférence, ça, que le bail, ensemble avec Gonzague D, musique et ministre, quand son frère, qui sans doute qui vient faire ça, Audin, il pense Audin, pas capable de faire, qui vient menacer liberté individuelle, menacer monde, 7 février, comme quoi, pays après le croisé bras, qui était Jovenel, et a sacrifié constitution pendant le fin voyer mon aller sous même constitution ça même décret 95 là et puis lui même il est confortable sous pouvoir et puis 7 février tout le monde croise bras dans le passé dans acte de ou tap rite ça. Alors dans même conférence ça m'attendais ministre Rockefeller Vincent
qui a démenti que l'ordre d'arrestation de l'ancien sénateur, bon, même dit sénateur Nenel Cassier, Jovenel qui retirait mandat, venait du président Jovenel Moïse. Non, son mensonge honteux, etc. Qui ça m'a dit avant hier? Moun qui t'a pris des émissions avant hier, qui ça m'a dit? Moi, t'es dit pour Diab, commissaire, ça, qui est peut-être né de la dernière pluie. Depuis bagay yo mêlé, tout le monde qui était bay l'ordre a râlé kor yo. C'est où y a quitté nan chou. C'est ça m'te dit. Et m'di, j'en wè yo sacrifié et de la joie qui t'a marché, manqué moun dégât pour yo, kon sa y a sacrifié ou tout. En réalité, si commissaire a dit président dit et que ministre l'an dit président pas dit, commissaire bay menti sous ministre sous président, donc ça veut dire est-ce que yo ka continuer collaborer, qui autorité commissaire ça a gagné pour continuer fonctionner dans les NIP dans Miragouane, avec qui autorité, puisque yo désavou yo désapprouvou et nèg ici nèg nan pouvoir ici c'est lâché. Yo pa jamais assumer responsabilité yo, et c'est ça que fait toujours di soufflant chou ça yo qui apprend vie l'ordre dans l'état ça, mais toujours dit yo ça, me dit yo c'est nous cap en bas, c'est nous cap victime, c'est nous fusible. Les ban nous l'ordre ça yo, c'est pour nous faire oui écrit yo voyez ban nous pour dire excellence ou voulez m'arrêter le ban mon l'ordre écrit. Parce que moi son bon juge de l'équipe, commissaire de l'équipe, parce que me dit nek ça yo depuis yo mêlé. Bah, elle a fait tous les pays qui écrasé international a réagi. Président Jovenel Moïse, courivo et dit que c'est pas lui-même qui était bah l'ordre là, mais nous pas saisi. Moi t'ai dit avant hier dans l'émission hein, et que il a pas dit c'est pas yo. Donc c'est malheureusement type de monde ça yo que nous gagnons qui à la tête pays tête chargée l'ONC. Alors son bande son vague de réaction. Si m'ta tombé pour une réaction gain par rapport à question ça, n'a fait toute journée en sou yo. Et en pile zami qui voye note pour nous, y a comprendre que pas gain moyen et pour nous tali toute réaction qui gain. Mais n'a commencé quand même par dire POD, qui c'est direction politique de l'opposition démocratique, qui te dit au condamné à toute force yo zak arbitre qui fait derrière de la loi à constitution, président Jovenel Moïse fait, les li passé commissaire a tout fait li à l'ordre pour l'arrêter sénateur Nenel Cassi avec plusieurs autres militants. Ensuite, pendant ministre l'a vint démenti, m'a dit yo ça. Je ne parle pas de ça depuis longtemps. Je dis, même mon petit monde ou bien, même mon ménage ou bien, même madame ou bien, même mari, depuis que tu as mari, on menti. Il était kembe ou tant qu'on dit, on t'a lâché ton bar et marché tabac. Et puis, il y a un monde qui dit, il y a juste Pétionville. Et bien, qu'on y a même l'eau bar la vérité ou pas quoi. Et c'est ça que j'aime toujours dire, même monde qui travaille avec. Pas prendre chance de mentir, même en seule fois. Parce que Devenport là, ou bien son seule fois où tu es baillé, ou pas de penser ou après baillé encore, et puis en seule fois, y'a aucun béo, qu'on y a même bonjour, vin par la vérité. C'est ça qui arrive, président Jovenel Moïse. Vous voyez, le ministre Lian dit, c'est pas vrai, le pas de baillé l'autre. Nous avons même fait un sondage matin, jeudi samedi matin, dans le pays a demandé combien de monde cap coué par le ministre là. Pas de monde cap coué. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, et ouais, que Dirpod dit que Jovenel Moïse passait commissaire à tout faire lié à l'ordre pour l'arrêter, sénateur Nenel Cassi, avec plusieurs autres militants qui ont manifesté dans Miragouane pour exiger respect à l'article 134.2 Constitution hein, qui fixait 7 février comme date mandat fini. Dire pas d'après président qu'on est, il pas prend ça dans mail. Personne n'a pas accepté qu'elle te pratique gros poignet. Tant qu'on m'a coûté ça, il retourne son monde. Aucun responsable politique, aucun militant, aucun citoyen conséquent, pape capé, abgadé Jovenel Moïse, remette dictature bouddhi dans le pays d'Haïti et puis marché prend yo, graine par graine. Propre monde mourir,
Trop monde souffrit pour dictature Tikaba. Dire pas d'exiger pour camarades nous sénateurs Nenel Kasi à tout militant qui était arrêté au joint libération, ce qui était fait puisque notre la paix sorti dans même jour soir, joint justice pour professeur pour grosser à fond ça, yo sibi avec vie accusation yo tap chercher mettre sous dos yo, faut commissaire gouvernement by démission pressé pressé a prévoqué. Nous pas perdu alors il a pas prévoqué pour ça non il a prévoqué parce que la mêlé président même si président Relo nous on insisté vrai si elle sur téléphone commissaire a joint téléphone Jovenel Moïse même 250 fois cap dit a pas nenel dehors toujours mais et je dis il a révoqué quand même parce que le pas doit le dire non président nous pas perdu à qui démocratique nous yo pour un bon plaisir on apprenti dictateur c'est pas cadeau yo fait nous cadeau yo c'est bataille nous te bataille pour yo ça fait longtemps Jovenel Moïse a passé constitution avec droit citoyen haïtien en bas pied depuis quelques jours président senti joue arriver pour sous lit il perdit tête lit et ses menaces la menacer tout le monde oui il te dit monde qui finance manifestation qui décide camper en croix de pour défendre démocratie à autorité constitution en gagnant pour fixer règles jouet là. Li fait men gel sous kidnappé, massacré, ak volé comme Petro-Caribé, sans men se militant la persécuté, dire pod, a fait tout fonctionnaire qui a fait excès de zèle pour exécuter l'ordre illégal Jovenel Moïse, il y a bien pour répondre pour tout ça qui a commis derrière la loi. Vous voyez avertissement ça à tout, bah, tout policier, ah oui, qui a empêché citoyen exercer droit constitutionnel, il faut songer, il faut prêter serment à les gens ça, respect pour constitution et pour. Pour un président, mais pour peuple. Même les Olagues et sénateurs, Nenel Kasia, tout l'autre militant, tout démocrate haïtien, tout le monde qui voulait empêcher la dictature de retourner dans le pays, fait pour être mobilisé, bah, Jovenel Moïse, mon pièce. Dieu peut demander tout le monde dans tout secteur politique, société civile, pour profiter de l'occasion ça, pour mettre sous côté tout ça qui divise. Non. Et c'est ça nous avons fait dans la conférence. Tout le monde est sous table. 7 février arrivé, il est temps pour nous chita, pour nous mettre nous d'accord sur Jean n'a décidé mener et pays. Gagnez nous pape Domi rapidement. Qui dit nous pas donné, nous pas donné condamné à arrestation gros poète qui était faite contre ancien sénateur Nenel Kasi avec l'autre militant dans ville Miragouane pendant qu'il a participé dans la mobilisation une branche opposition politique pouvoir PHTK pour demander respect constitution pays. N'a condamné violence systématique qu'a faite sur tout le monde. Dans toute couche de la société qui a utilisé droit légitime pour demander pi bon condition la vie, pi bon et condition la vie, ak dirigeant, cap travail, tout bon pour bien-être collectif. Yo. Même journée 21 janvier, ça, plusieurs centaines d'élèves l'école victime en bas main la police parce que yo tap manifesté pour yo ka vive dans la paix ak sécurité. Ça inacceptable. Nous profiter notre ça pour nous dénoncer pouvoir tyrannique Jovenel Moïse a essayé d'établir dans pays a les li prend plaisir mettre constitution ak institution pays a sous pause et puis a publier propre loi ak principe li pour laguer société a dans insécurité illégalité avec la Pérez. Nous rendons compte que chaque jour qu'a passé Jovenel Moïse avec tout gouvernement lié à mettre en application menace qu'a fait contre citoyens opposants à la société en général. Vague répression systématique là qui déployait contre militants politiques, société civile avec dirigeants partis politiques paraît à clé dans la dernière mobilisation qui fait yo, ça doit interpeller toute société a parce que nous tous menacés dans la liberté nous avec dans la nous n'a pas rappelé nous pas dormi
mandé Jovenel Moïse remettre démission li depuis janvier 2019 après deuxième partie rapport Petro-Caribéa te montré li impliqué bien fond dans gros scandale corruption Petro-Caribéa. Yon façon pour li te mettre li à disposition la justice. N'a continué exiger ça même dans dernier jour li rete et dire réli qui doit bout 7 février 2021 k'ap vini là. Nous condamnons tout ça tyrannique Jovenel Moïse qui mettait veillé à espionner haïtien qui opposait à lui pour intimider eux, pour menacer, saisir à voix et puis neutraliser eux pour avancer avec projet personnel lié à clan. Nous dénoncer violation droit ancien sénateur Nenel Kassi avec tout le militant yo té arrêté et puis martyrisé dans journée 21 janvier. N'a continuer exiger pour pouvoir suspendre violation droit moun yo k'ab joui droit constitutionnel yo pour participer dans la vie politique pays yo. Victoire c'est pour moun k'ab bataille c'est et nous pas dormi qui sorti notre sila, c'est en pile, yo yé gen combit qui dit indigné, estomaqué et puis révolté devant vague répression pouvoir gang PHTK fait son militant dans opposition. Hein? Seulement jeudi 21 janvier, a gen plus passé 12 arrestations qui fait dans le département NIP. Commissaire Miskaden PHTK a arrêté sénateur Nenel Kassi ak 11 autres militants pour être yotal manifesté contre kidnapping ak insécurité d'état. Nan matin, policier PHTK Antigua a arrêté professeur militant Gentil Manis. Nan Port-au-Prince ak Kafou bandi PHTK ki habillé ak uniforme, la police a arrêté militant Enol Florestal, Roni Mondeste ak plusieurs autres militants militants encore et puis yo tiré sous local secteur démocratique là. À côté tout ça, gen gros menace arrestation ak la mort ki pendye sous tête tout militant nan opposition hein? Et oui, grâce ak mobilisation grâce à mobilisation, j'en dis, hein, et population, pouvoir, à commissaire, et commissaire a libéré sénateur Nenel Kassi, et à l'autre militant qui était à Clio. Combit la mandé toute femme à garçon, conséquent, et dans quatre coins pays, avec la diaspora, été mobilisé. Lever campé et sans prendre souffle pour libération tout prisonnier politique yo évidemment n'a pensé à Anel Belizer Babas qui lit tout l'autre yo et puis Tibécane et puis pour déchoquer régime sanguinaire PHTK. Donc c'est comme ça en pile réaction sénateur JP Chérubin tout dit estomaqué, l'estomaqué encore ce jeudi 21 janvier 2021 la démocratie a été mise à l'épreuve face à la rage féroce d'un président qui ne jure que par la terreur pour rester au pouvoir au-delà de l'échéance constitutionnelle du 7 février 2021. Alors qu'il ne lui reste que 16 jours, c'était sans doute hier, c'est 15 jours le fait aujourd'hui, à la tête du pays qu'il a rendu invivable, il a ordonné l'arrestation d'un sénateur de la République, en l'occurrence Nenel Kassi. J'invite la communauté à prendre acte de ses actions. Je condamne de toutes mes forces cette violation flagrante du droit dont disposent les citoyens à manifester leur colère face à l'arbitraire et aux actions malodorantes de Jovenel Moïse qui pense pouvoir tenir tête à la volonté populaire. Ce coup porté à la démocratie est une preuve flagrante qui doit amplifier la détermination du peuple à se soulever pour continuer d'exiger le respect de la Constitution que le président lui a pris, qui a pris l'engagement solennel de respecter. Nul n'est au-dessus de la loi.
la Constitution et encore moins la loi mère, sénateur J.P. Cherubin et sénateur Patrice Dumont, dans notre liam d'accord avec la 100%, il dit jeudi 21 janvier à Namiragouane, pendant que vous avez une manifestation politique, vous avez fait vite président Jovenel Moïse qui relait Jean-Ernst Muscadin. Vous dit qui ta commissaire gouvernement mette mes notes dans point yon sénateur Nenel Kassi qui n'a opposition red chèche. Zak touye krasé zo dictature sanguine gouvernement Jovenel Moïse là vin tellement en pile. Li pi facile pour compter Zak Sayo que sou essayer. Est-ce que c'est pi facile? Li pi difficile pour compter Zak Sayo que sou essayer compter grain sable dans l'ambe. Patrice Dimondou Jovenel tellement fait des ordres, violé la Constitution, fait des actes arbitraires, illégaux, que même s'il t'apprend pour le citer là, il faut que c'est 250 pages, il t'a écrit. Il t'a plus facile pour compter grain de sable dans la mer, tant pour t'a citer des ordres Jovenel fait pour Timandal là. Qui donc, pas de saisissement encore, nous pas même besoin condamner. Ça pour nous faire, c'est pour nous toujours veillatif dans l'action n'a mené contre dictature pour nous pas offrir sans pour yo boire encore. Faut que nous toujours faire dictature qu'on est. Rendez-vous c'est 7 février 2021. Sel bagay pendant n'a souhaité sénateur Kassi courage, n'a dit tout le monde qu'a fait travail Jean-Ernst Muscadin, ce n'est pas demain derrière deux haïtiens la prière. Patrice Dumont, sénateur de la République, mes amis, sont la trier réaction qui gagne toujours sous arrestation. Si là, sans nous pas oublier, hier, structure. Dirpod là qui était bas en conférence que nous te prend pratiquement en direct avec sénateur Yuri La Tortue qui a dénoncé dictature que Jovenel besoin instaurer et qui dit que communauté internationale l'a alerté sur bande dérive ça yo et que yo rappelé Jovenel Moïse petit rendez-vous à 7 février 2021. Il y a un représentant Petit Dessaline qui était là pour parler tout. Il y a un représentant OPL qui parlait tout. Edgar Leblanc fils. Il y a un pile sénateur Schiller Louis d'Or. Tout allait dans le même sens là pour condamner Zak Sila. Et puis, et voilà, une bonne réaction, vraiment, c'est un sénateur Valier Beauplan, qui était très ferme hier dans la condamnation de Sakpasia pour dire que Jovenel était le peuple-là, et bien il réalisait que le pape dormi, le peuple-là répondait, j'en ai dit, s'il était retenu en prison dormi, mon cher, pas contre comment pays ça, t'as qu'à lever, donc c'est tout le secteur. Y compris groupement régional, tant que structure des collines à Bel dans le plateau central, y est tout condamné, ça qui passe. Mais nous comprenons, mes amis, que nous n'avons pas de temps pour nous venir sur tout gain POHDH qui dénonçait les répressions policières contre les manifestants exigeant le respect de la Constitution haïtienne de 1987. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains salue les différentes mobilisations organisées un peu partout dans le pays en date du 20 et 21 janvier 2021 pour exiger le respect de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne en vigueur, selon lequel le mandat du président Jovenel Moïse prendra fin incontestablement
le 7 février 2021. Tout organisme droits humains dit, société civile la dit, les partis politiques, tout dans l'opposition dit, la POHDH en profite pour dénoncer les violences et brutalités avec lesquelles des agents de la police nationale d'Haïti ont dispersé ces manifestations politiques. En effet, la POHDH tient à souligner que ces agents de la PNH ont fait l'usage abusif de gaz lacrymogène jusqu'à mettre en grand danger la vie des enfants, femmes enceintes et personnes âgées, et ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Plusieurs blessés sont enregistrés et plus d'une dizaine de militants sont arrêtés arbitrairement dans le cas du sénateur Nenel Kassi à Miragouane par le commissaire du gouvernement, maître Jean-Ernst Muscadin, sous l'ordre du président de la République Jovenel Moïse. À cela, il faut ajouter les menaces et les persécutions politiques à l'égard des militants qui contestent le pouvoir. La POHDH constate et condamne le fait que l'institution policière, dont la mission est de protéger la population, devient un instrument politique au strict service du pouvoir PHTK pour bâillonner les libertés publiques garanties par la Constitution haïtienne de 1987 dans son article 31 et des instruments internationaux de droits humains ratifiés par l'État haïtien, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 19. En ce sens, la POHDH croit que la servilité des dirigeants actuels de la PNH compromet sérieusement l'image de l'institution qui devrait être la gardienne de l'exercice des libertés publiques. Il est totalement inacceptable que des policiers font systématiquement une utilisation inappropriée de la force létale en vue de disperser des manifestations politiques pour le respect de la Constitution haïtienne et contre le projet dictatorial du président Jovenel Moïse. Avant de finir notre là, puisque mon cinquième point, n'a pas rappelé à POHDH que pendant la police a réprimé systématiquement toute manifestation, même élève qui a relé en moué contre kidnapping, et bien, il a pris et à tout et barbecue dans tête manifestation que m'a regardé sous vidéo, il a circulé à l'aise dans les rues de Port-au-Prince, qui s'est appelé à bas kidnapping pendant c'est yo même qui a revendiqué kidnapping yo. Donc, et puis la police presque a sécurisé, la police partie on pétard, même un bonbon gaz lacrymogène. Pendant temps ça, en pile dans monsieur ça, pour me dire tout chef gang ça yo, yo gen one tête sous tête yo, yo genyen et y a cherché yo et yo officiellement a cherché yo, mais yo nan tête manifestation yo fait combien heures de temps a sillonné, marché, flâné aux yeux et au su de tout le monde ni yo wè nou monsieur policier yo, et puis depuis petit peuple sans âme nan prend la rue quelques gardons manifestation qui tué dans l'œuf et l'autre jour. Et le 20 janvier, le peuple a été vraiment envie marcher pour aller devant l'ambassade américaine pour le dire c'est eux-mêmes qui toléraient Jovenel dans le projet dictature là. Eh bien, la police tue dans l'œuf. En pile, moun blessé. Et puis hier, nèg yo a circulé. Alors, ta policier pour assister bagay sa yo gang, a défilé tout le temps dans Port-au-Prince, au vu au sud de tout le monde. Sur toute caméra, toute télévision étrangère ici, sur tout réseau social, on regarde yo, pas oisé, nous pas qu'à dire rien, et puis depuis peuple a sorti sans âme, maillot blanc, des fois en dans ce pantalon, c'est gaz yo, ça, monsieur. N'a pas comprendre que n'a travaillé pour nous craser police là Léon Charles semble avoir une mission spécifique pour te venir organiser milice Jovenel là, mais et répression par répression, ça gagne pour le fini. En somme, cinquièmement et dernier, la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains exige
la libération des manifestants arrêtés arbitrairement et demande à la population de rester mobilisée pour défendre la Constitution haïtienne et les libertés publiques qui sont des conquêtes démocratiques arrachées au prix du sang et de sacrifice. Donc, si pouvoir comprendre, la poésie, c'est tout le monde, tout secteur, parce que nous n'avons pas parlé de secteur, nous n'avons pas parlé de l'Église protestante, l'Église catholique, pays attend nous pour prononcer définitivement secteur patronal, association patronale, il attend nous, l'Église catholique, parce que syndicat, ben, bon exemple, il prend devant. Yo regroupé yo, yo fait unité nan yo, yo bay conférence, yo sorti note pour demander respecter constitution et dernière note là, yo mandé grève générale 2 jours sous pays à 1er et 2 février pour contre kidnapping et puis respect constitution pour 7 février 2021 pour Jovenel quitter pouvoir parce que Duclos Bénissois qui t'a parlé dans la conférence ça il dit ces chauffeurs plus victimes lui retourner des fois il prend tout camion chargé moun il fait plusieurs fois en bas mon cabride et groupe Maozo il fait sous et dans zone port de paix pour aller Goumon il fait prend autobus yo ak tout moun la dan yo gen plusieurs chauffeurs yo tire avant hier son délégation obligé faire monter Grand Ravine pour y aller chercher un chauffeur yo et que yo te prend et puis hier dans Jacques Mel tout chauffeur obligé sous volant machine yo pas de travail y a klaxonné pour yo mandé faut que ça fini et yo quoi et yo dit pas quoi l'a fini avec Jovenel faut que c'est Jovenel qui pour quitter pouvoir pour ça fini n'a pas le tourner d'ailleurs sous notre secteur syndical là tout à l'heure qui a annoncé 2 journées de grève et il a demandé tout secteur et pas secteur syndical là qui mandé il mandé tout secteur qui sont concernés, qui voulaient constituer respecter et qui voulaient que kidnapping fini dans le pays, parce que nous dépensé l'argent, nous pas possédé. Imaginez-vous, dans ce moment, nous racontons un cas, un propriétaire, une petite imprimerie, nous avons kidnappé, nous avons pris un volume l'argent dans mes malheureux, famille malheureux, cotisé pour Bailey, $1 et un good, ça a été demandé à yo Bayoul, et au fin Bayoul. Yo di, yo mande, yo fè lot exijans ankon pou yo libere l. Se kon sa, ba la, nou gen isi a nou gen kolaborate nan Ol Domo, ki gon tonton pasteur, nèg yo kidnapé 2 fois, nan menm kote ya. 2 fois, 2 ransom li bay pou yo libere l. Paske le yo kidnapo, pa konprann ke se tan kon bèt yo tanpe yo pou yo lè yo di non nou te pran sa deja au contraire ou presque vin servi client yo donc nou ka imagine traumatise ke sa koze kay moun ni ou même yo kidnappé ni sa yo pa pran mais ou ap viv avec hantise ke sa ka rive ou n'importe lè lor soti nan la ria ki moun ki ka aksepte viv nan situation sa et pour nou pa révolter en tout cas nou saluer quand même libération Géraldine jeune écolière sa nan Carrefour et que yo libéré avec support tout magistrat et Jude-Edouard Pierre qui était très impliqué et pour te joindre libération hein bon grand pile parole puisque nous t'attendais sur réseaux sociaux yo assassiné ti dame nan c'est pas de vrai nous bien content que libéré de même aussi nous apprendre directrice Kersini hein et libéré mais certainement et même si famille en pas dit et yo pas libéré au sans rançon c'est toujours comme ça c'est son scandale. Et c'est chaque jour, ce maintenant-là, c'est beauté, yo beauté moun, et ça pire. Longtemps, les Port-au-Prince te kon chou comme ça, ou te gen doua di, bon, al font ti repli yo en province, passe 2-3 jours, koun ya tout côté kidnapping, même en province kidnapping nan e, y ap di nan grandan son phénomène qui ap vale terrain tout, c'est tout partout, c'est dans sa pays a fourré nous. Répression systématique des libertés de circulation et d'expression, arrestation illégale et arbitraire, le RNDDH met
en garde le président Jovenel Moïse et son équipe. Le Réseau national de défense des droits humains est très inquiet face au climat de terreur que le président Jovenel Moïse et son équipe ont commencé à installer dans le pays. Ce climat de terreur est caractérisé par des arrestations illégales et arbitraires et par la répression violente et systématique de tout mouvement de protestation. Il s'agit pourtant, pour leur grande majorité, de mouvements pacifiques organisés pour dénoncer l'insécurité, le kidnapping, les conditions générales de vie de la population et réclamer le départ du président de la République, Jovenel Moïse, dont le mandat arrive à terme le 7 février 2021. Entendez, c'est tout le monde qui dit. Les derniers événements enregistrés dans le pays ont particulièrement attiré l'attention du RNDDH. Le 17 janvier 2021, le syndicat de la police nationale d'Haïti a organisé une marche pacifique pour exiger de meilleures conditions de travail en faveur des agents et agentes de la PNH et dénoncer l'insécurité dont sont victimes aussi les membres de l'institution policière. La marche devait prendre fin devant les locaux de la Direction générale de la police d'Haïti, où un message devait être livré. Avant d'arriver au carrefour Rita, en direction de l'avenue Gérard Théodane, la marche a été brutalement dispersée. En effet, des agents du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre CIMO montés à bord de plusieurs véhicules de la PNH et accompagnés du nouveau responsable du CIMO, le commissaire principal Vladimir Chérubin, monté à bord d'un véhicule de marque Toyota de couleur blanche, immatriculé 120301, récemment retourné à ce poste, et du directeur départemental de l'Ouest, le commissaire divisionnaire Paul Ménard, ont tiré à profusion des tubes de gaz lacrymogènes et des balles létales en direction des manifestants. Le 19 janvier 2021, à l'occasion d'un sitting pacifique tenu devant la résidence officielle du président et du premier ministre Joseph Joute, président du Conseil supérieur de la police nationale, pour dénoncer la récurrence des cas de kidnapping perpétrés dans l'indifférence et l'inertie de l'institution policière, des policiers mobilisés en très grand nombre ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc à l'encontre des manifestantes qui pourtant ne faisaient que scander des messages exigeant le respect de leurs droits à la sécurité et à la vie. Le 20 janvier 2021, une marche anti-gouvernementale a été organisée à Port-au-Prince, au carrefour de l'aéroport, surnommé carrefour résistance. Des manifestants, manifestantes se rassemblaient pour commencer la marche lorsque des policiers postés dans les parages se sont mis à lancer des tubes de gaz lacrymogènes en leur direction. Ensuite, ils ont fait usage de balles en caoutchouc et de balles létales à l'encontre de la foule qui naïvement avait cru que ces policiers allaient sécuriser le parcours de la marche. Ce jour-là, un journaliste du média en ligne, AlTV, Alvales destiné, a été giflé par un policier affecté au corps d'intervention pour le maintien de l'ordre. Il filmait des agents qui bastonnaient d'autres journalistes et tentaient de repousser ces derniers, ces dernières, alors qu'ils attendaient les manifestants qui devaient se rendre devant les locaux de l'ambassade américaine. De plus, 8 autres personnes au moins ont été blessées, parmi elles 5 journalistes qui couvraient la marche. Et dans Mounsayo, Pablier, Nouguin, Réginal Rémy, voici les informations recueillies à leur sujet. Betty Clerget, commerçante, a reçu une balle létale au pied gauche. Elle a été conduite à l'hôpital Bernard-Meuse et attend encore une intervention chirurgicale pour extraire la dite balle. Eduardo Ilena, Edouard, journaliste de Radio Résistance. Pierre-Daniel Lamatinière, journaliste du média en ligne Impartial Info, a été atteint à l'œil gauche d'une balle en caoutchouc. Il a été conduit à l'hôpital Bernard-Meuse. Réginal Rémy,
journaliste de Radio-Télévision Caraïbe, a reçu 3 balles en caoutchouc au bras gauche. Jean-Wilner Sévère, journaliste de Capital FM, a reçu un tube de gaz lacrymogène au pied gauche. Mackenson Sévère, journaliste de Radio Anti, gravement blessé, a été emmené à l'hôpital Bernard Meuse avant d'être transféré à l'hôpital Oufatma. Gentil Manis, enseignant, a été atteint de 3 balles en caoutchouc au bras droit. Saint-Fort, ainsi connu. Tout le monde est aux victimes. Toujours dans le cadre de la répression de la manifestation du 20 janvier 2021, plusieurs personnes ont été arrêtées par la police et conduites au commissariat de Delma 33. Certaines d'entre elles ont été relâchées le même jour. Les autres ont été déférées au tribunal de paix de Delma le 21 janvier 2021 et ont, elles aussi, recouvré leur liberté. Le 21 janvier 2021, tôt dans la matinée, le commissaire du gouvernement, Jean-Ernst Muscadin, ayant appris qu'une manifestation antigouvernementale était planifiée à Miragouane, méconnaissable dans son gilet pare-balles, a affirmé à un média qu'il ne permettrait pas à des fauteurs de troubles de perturber sa juridiction. Il s'est donc mis avec des policiers à fouiller des véhicules et à questionner leurs occupants. Selon les réponses fournies ces derniers étaient soit autorisés à entrer dans la commune de Miragouane, soit invités à repartir d'où ils venaient. Ça, c'est Thibaut Boyo, même dit M. Vinon, fait, nan men pour le tracer coton manifestation kabagay pour pas dépasser. Cependant, la manifestation a quand même pu être réalisée. À l'issue de celle-ci, l'ex-sénateur Nenel Kassi ainsi que 11 militants politiques ont été arrêtés et gardés à vue au commissariat de Miragouane. Ce n'est que suite au tollé provoqué par ces arrestations que l'ex-sénateur et 9 des autres personnes qui avaient été arrêtées ont été remises en liberté. Le NDDH rappelle que le magistrat Jean-Ernst Muscadin a été installé à titre de commissaire de gouvernement le 31 janvier 2020. Au lendemain de son installation, plusieurs avocats inscrits au barreau de l'Ordre des avocats de Miragouane s'étaient opposés à son choix, car ils considèrent comme étant incompétent et inapte à occuper un tel poste. Et en effet, de sa nomination à nos jours, il n'a rien fait pour redresser la situation de la justice de ce ressort. Le RNDDH en veut pour preuve le fait que depuis son accession au poste, aucune citation directe au correctionnel n'a été réalisée par le parquet qu'il dirige. Et le taux de détention préventive illégale et arbitraire n'a cessé d'augmenter dans la juridiction. Il est aussi reproché au magistrat Jean-Ernst Muscadin d'être un individu arbitraire et arrogant qui ne rate jamais l'occasion d'affirmer avoir été envoyé par le palais national pour pacifier la juridiction de Miragouane. Par conséquent, il ne reçoit d'ordre que du président lui-même, Jovenel Moïse. D'ailleurs, l'affiche à la porte de son bureau, le commissaire du gouvernement est un militaire en civil, annonce sa conception du poste qu'il occupe. Voici un exemple prouvant justement le caractère arbitraire des interventions du magistrat Jean-Ernst Muscadin. Le 14 janvier 2021, ayant remarqué que la dame Limose Noël, originaire de Petite-Rivière-de-Nippe, vendait du carburant par gallon, le magistrat Jean-Ernst Muscadin l'a d'abord invectivé pour ensuite l'agresser physiquement avec beaucoup de violence et de lui marcher dessus après qu'il l'eut propulsé au sol. Par la suite, le magistrat Jean-Ernst Muscadin a procédé à l'arrestation de Limose Noël. Il l'a mise en garde à vue au commissariat de Petite-Rivière-de-Nippe où elle a été contrainte de passer la nuit. Le lendemain, il a lui-même procédé à la libération de la victime. Parallèlement, moins de 10 manifestants qui se rendaient à la marche du 20 janvier, organisés à Miragouane, ont été arrêtés. À Borne, soldats, puis conduits au commissariat de Petit-Gouave. Ils se trouvaient à bord d'un véhicule de transport public. Il s'agit de Peterson Agenor, Peterson Alvenor, Emmanuel Anténor, Lissetstone Azor, Jimmy Beauséjour, Faudelin Cetout, Gentil Manis, Jean-Félix Newton, Jameson
Patrice Steve Tabuto, le juge de paix, Winifred Noël Saint s'est rendu au commissariat de Petit-Gouave pour auditionner les personnes arrêtées et, vu qu'aucun rapport de police n'avait été rédigé, le juge de paix s'est retiré. Ce n'est que vers 18 heures, 6 heures du soir, le juge de paix Jean-Robert Noël s'est présenté au commissariat sur insistance des proches des victimes, les a auditionnés avant de procéder à leur libération. À Carrefour, le 21 janvier 2021, des élèves de plusieurs établissements scolaires ont manifesté pour dénoncer le kidnapping dont sont aussi victimes des écoliers et écolières. Ils ont été dispersés par des agents de l'unité départementale pour le maintien de l'ordre UDMO qui ont fait un usage excessif de gaz lacrymogène. De plus, au moins deux élèves ont été arrêtés et bastonnés par des agents de la PNH. À Port-au-Prince, dans la soirée du 21 janvier 2021, le militant politique Enol Floristal conduisait tranquillement son véhicule lorsqu'arrivé à l'avenue John Brown, des agents de l'unité de sécurité générale du Palais national l'ont stoppé, lui ont ordonné de descendre du véhicule et de s'allonger au sol avant de l'arrêter. Enol Floristal a été emmené au commissariat de Port-au-Prince où il a été gardé jusqu'à 21h. Les récents événements survenus à Port-au-Prince, Miragouane, Petit-Gouave et Carrefour constituent des violations flagrantes des libertés d'expression, de circulation et des libertés individuelles du peuple haïtien. Le RNDDA juge inquiétant que ces cas de violation de droits humains se soient intensifiés au lendemain des déclarations menaçantes du président Jovenel Moïse qui a affirmé le 19 janvier 2021, à l'occasion de l'inauguration d'un réservoir d'eau que son Agence nationale d'intelligence activée lui permet déjà de collecter des informations relatives aux citoyens citoyennes qui participent et ou financent les mouvements anti-gouvernementaux, car a-t-il affirmé ce qui a été possible au cours des années antérieures ne le sera plus en 2021. Oui, dictateur. Par conséquent, le RNDDH estime de son devoir de rappeler au président Jovenel Moïse et à son équipe qu'ils sont en train d'emprunter la mauvaise voie, celle de la répression et des persécutions politiques. Le peuple haïtien, très attaché aux acquis démocratiques dont l'a pu jouir lui-même jusqu'à devenir président du pays, n'acceptera pas ce retour à la dictature. La prolifération des menaces, l'adoption de différents décrets liberticides, la politisation des forces de l'ordre pour mater les mouvements de protestation ne lui permettront ni de rester ni de se renouveler au pouvoir. Le RNDDH en profite pour souligner à l'attention des agents de la PNH qu'ils sont tenus de respecter strictement et rigoureusement le code de déontologie lors des interventions policières et ils doivent en tout temps se rappeler de leur devoir de protéger et servir la population et de servir. Ainsi, lors des manifestations, ils sont appelés à faciliter les rassemblements politiques et à sécuriser des vies et les biens de tout citoyen et de tout citoyen et citoyenne né et sans distinction aucune. Et pour avoir souffert pendant de longues années de sa politisation par des hommes au pouvoir, la PNH gagnerait à faire montre de son professionnalisme et se mettre effectivement au service de la population haïtienne. Alors, sous Miragouane, faut-nous dire qu'on note du Conseil de l'Ordre des avocats de Miragouane qui dit condamner les divers cas de violation des droits de l'homme enregistré dans la juridiction de Miragouane, dont le dernier en date a visé la liberté individuelle du sénateur Nenel Kassi, un acquis démocratique pour la conquête duquel plusieurs générations de citoyens et citoyennes haïtiens ont payé un prix fort en faisant sacrifice de leur vie. Rappelle le Conseil de l'Ordre des avocats de Miragouane qui tient à rappeler aux autorités judiciaires, notamment
Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Miragouane, Maître Jean-Ernest Muscadin, et aux autorités policières que la Constitution haïtienne en vigueur garantit et protège la liberté individuelle. En conséquence, le Conseil de l'Ordre prend ses distances avec toutes les pratiques attentatoires à la liberté individuelle des droits de l'homme et les exhorte à cesser incessamment ces violations. Port-au-Prince et Miragouane, le 22 janvier 2021, Maître Franz Sorel, avocat qui signait pour l'ordre du barreau de Miragouane, Jean Zoulan, qui t'a demandé et qui t'a dit que des ordres ça y a fait dans la juridiction. Et pas bon. Himmler Rebu dit que bon catastrophe qui nous guette. Haïti sur le chemin d'une terrible catastrophe. L'empoignade politique entre le président Jovenel Moïse et une grande partie de la population continue son chemin depuis 2 ans, aucun fléchissement, bien au contraire, surtout avec l'opposition fédérée au sein du DIRPOD. Le pouvoir a pour horizon le 7 février 2022. Il s'enfonce dans ses rêves de nouvelles constitutions et d'élections à voler, puisque le pouvoir est un bouclier sûr contre les crimes connus de tous. L'opposition brandit son calendrier de mobilisation avec une fin magique le 7 février 2021. Ainsi engagé, la bataille ne laisse à aucun des protagonistes la capacité de faire machine arrière. On est bien au courant des tractations souterraines. Cela témoigne d'un côté comme de l'autre. On souhaite en secret l'émergence d'un médiateur. La conférence épiscopale a déclaré il y a 2 semaines être prête à courir les risques d'une médiation car la confrontation n'est pas la solution. Hypothèse. Si le peuple arrive à sortir en masse le 7 février 2021, la police disperse la foule à coups de gaz lacrymogène comme à l'accoutumée. Des blessés et même des morts, des deux côtés on condamne et le pouvoir promet des enquêtes. Et puis, on rejoue le scénario des 6, 7 et 8 juillet 2018. Des gens meurent, des biens sont pillés, l'opposition est-elle prête à en payer le prix? Peut-elle prendre le contrôle de la situation, voire même le pouvoir? Le panel national est pris d'assaut. Qui va assumer et organiser le contrôle du pays? Les États-Unis de Joe Biden, confrontés il y a peu à la crise du Congrès américain par des assaillants, peuvent-ils cautionner un pouvoir qui prendrait ainsi naissance? Si le peuple ne peut pas sortir le 7 février 2021 à cause des manœuvres du pouvoir, insécurité galopante, kidnapping, mort ou neutralisation physique et psychologique la veille de la date butoir, le pouvoir crie victoire et joue la carte de la propagande, la vraie guérilla souterraine sera mise en branle pour pourrir la situation au jour le jour. Quel sera alors le premier acte politique du couple Biden-Harris? Une intervention étrangère plutôt rude. C'est parce que je suis un militaire que je déteste la guerre. Une seule était nécessaire dans notre vie de peuple. Nous l'avons faite victorieusement. Les autres l'ont dévoyée si bien que les résultats sont nos tourments du jour, des faits de misère et de honte. Nous avons détruit le socle de cette prouesse. Nous ne savons pas encore que pour repartir vers un meilleur destin, c'est ce socle qu'il faut remettre en place. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des uns et des autres pour une réunion urgente de la société dans ses composantes politiques encore lucides, sociales, non entravées dans les arcanes des petits contrats personnels et moraux, obligés de porter la parole de tempérance et de responsabilité. Il nous faut créer les conditions d'une sortie de crise nationale ordonnée, faite à Port-au-Prince le 11 janvier 2021. Himmler Rebu qui sortit notre syllabe. Voilà, Mwetedzou, syndicat
des ouvriers yo sorti note pour yo annoncer grève deux jours et en pile et organisation déjà dit yo d'accord. Dans la résolution, ça plaidoyer pour le respect de la Constitution haïtienne de 1987 amendée et appel à une transition consensuelle vers le rétablissement de l'état de droit et de la démocratie en Haïti. Il y a sous-cité en bon article 134.1, 134.2, 134.3 Constitution amendée qui détermine date, durée, mandat président. Il y a aussi un pilote encore qui régit prérogative président de la République. Il y a aussi plusieurs qui définissent trois pouvoirs l'État. Il y a aussi un bon lot encore qui pote sous amendement Constitution 87. Il y a aussi la loi du 4 septembre 2003 qui établit organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Loi 11 novembre 2013 là, qui sanctionnait blanchiment capitaux et financement terroriste. Loi 4 mai 2017 là qui portait organisation fonctionnement unité centrale de renseignement financier. Loi 12 mars 2014 là qui portait prévention et révention de la et répression de la corruption et puis considérer conséquences néfastes des grandes catastrophes ayant marqué l'histoire du peuple haïtien durant les deux dernières décennies, notamment le meurtrier tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a coûté la vie de plus de 300 000 Haïtiens handicapés, plus de 22 000 dévastés nos infrastructures et l'économie en général. Considérant l'arrivée dans des conditions peu claires du régime de PHTK au pouvoir, avec la complicité d'une frange des puissances étrangères et de l'oligarchie antiprogressiste qui empare environ 95% des richesses nationales au détriment de la population, considérant le refus et le rejet du régime PHTK par le peuple haïtien exprimé à travers les différents mouvements Petro Challenger, secteur socio-professionnel, secteur ouvrier paysan et les soulèvements 6, 7 et 8 juillet 2019, septembre à décembre 2019, etc., considérant le renvoi du Parlement par un simple tweet du président de la République le deuxième lundi de janvier 2020 à minuit pour respecter le temps constitutionnel. Considérant la tentative d'installation depuis lors d'un pouvoir autoritaire caractérisé par la publication de plus d'une cinquantaine de décrets tous hors normes mettant en veilleuse la Constitution et les lois du pays. Considérant entre autres le fameux décret mettant en place la commission d'élaboration d'une nouvelle constitution par voie de référendum en violation de l'article 284.3 de la Constitution de 87 amendée en vigueur, le décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence ANI donnant droit à des agents de perquisitionner des domiciles sans la présence du juge de paix, considérant le décret dit sur la sécurité publique faisant de simples contraventions des crimes et d'autres d'actes terroristes tels que le simple fait de brûler un pneu sur la chaussée, considérant que le président de la République a failli à ses prérogatives constitutionnelles qui est de veiller au respect à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions conformément aux prescrits de l'article 136 de la Constitution en vigueur, considérant sur le régime du PHTK, plusieurs journalistes ont été assassinés et d'autres victimes de brutalité policière et de tentatives d'assassinat dans l'exercice de leurs fonctions, considérant sur le régime du PHTK, bon nombre d'avocats sont morts en défendant gratuitement des gens vulnérables et des manifestants écroués de manière illégale et arbitraire et d'autres faisant l'objet de menaces de mort et de tentatives d'assassinat pour cette même cause, considérant les multiples violations de la Constitution par le président qui a fait fi de ses attributions, ne réalisant aucune élection au cours de son quinquennat, causant ainsi des vides institutionnels au niveau du pouvoir législatif, judiciaire, des collectivités territoriales, des organes de contrôle et des institutions importantes comme la Banque centrale, la Banque nationale de crédit, la police, l'armée, considérant qu'en date du 13 janvier 2020, le président a constaté la fin du mandat des deux tiers du Sénat et de la Chambre des députés et qu'il y a lieu pour le reste du Sénat de constater la fin du mandat du président Jovenel Moïse. Oui, et qu'il y a lieu pour le reste du Sénat de constater
la fin du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021, ce au regard des articles 134.2 de la Constitution de 1987, amendé les articles 239 et 250 de la loi électorale de 2015, considérant qu'il est du devoir du secteur syndical de s'engager en faveur du respect de la Constitution, dont dans la poursuite de la lutte pour la liberté et le bien-être de toutes et de tous, citoyens et citoyennes d'Haïti en général et des travailleurs, travailleuses en particulier, constatant les multiples violations par le régime PHTK des normes, principes de gouvernance, facilitant ainsi le vol, le pillage, la dilapidation des ressources de l'État, considérant l'effondrement planifié de toutes les institutions démocratiques par le pouvoir de Jovenel Moïse et la violation des droits humains et des libertés individuelles à travers des massacres, assassinats d'opposants, d'étudiants, d'intellectuels et des gens des quartiers populaires qui ont dénoncé les agissements illégaux et arbitraires de son pouvoir, constatant les velléités dictatoriales du pouvoir en place caractérisées par le mépris total de la Constitution, des lois du pays et des conventions internationales avec le support des Nations Unies à travers le BINU et de certaines représentations de missions diplomatiques accréditées en Haïti qui se comportent souvent proconsul en violation de la Convention de Vienne de 1961-63 régissant le droit diplomatique et consulaire, dénonçant l'instauration de la grande criminalité comme mode de gouvernance où la prolifération de la Fédération des gangs constitue les modes opératoires du pouvoir en vue de créer la peur au sein de la population, espérant ainsi régner sans faire face au soulèvement populaire contre les dérives du régime, dénonçant les pratiques de kidnapping, le raid, de l'insécurité généralisée, le grand banditisme, l'impunité et la propension à la répression des tentatives de soulèvement populaire contre ces différentes manifestations et de la grande criminalité comme une forme de protection des bourreaux criminels par le pouvoir du PHTK, dénonçant l'assassinat de plus de milliers de citoyens et citoyennes et l'organisation de plus de 10 massacres dans les quartiers défavorisés comme réponse du pouvoir au mouvement et soulèvement populaire haïtien, dénonçant la mise en place d'un conseil électoral hors norme, dépourvu de toute légitimité, qui n'a pas pu prêter le serment par devant la Cour de cassation, à qui sont confiées la mission d'organiser le référendum, en violation de la Constitution de 1987 amendée, dénonçant les dernières exactions brutales exercées par la police et les gangs du pouvoir sur les manifestants, dont plusieurs blessés par balle en date du 20 janvier courant, l'arrestation de l'ex-sénateur Nenel Kassi et une dizaine de militants au cours d'une manifestation pacifique sans aucun chef d'accusation sous ordre du président Jovenel Moïse, selon les déclarations du commissaire du gouvernement de Miragouane. Ainsi, les menaces de mort et persécutions subies par le juge Renaud Régis, ça a son scandale, juge l'Assemblée lui-même quitté pays. Magistrat instructeur du dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. D'ailleurs, pensez, si c'était simple, si citoyen qui était tué d'Orval, il était en persécution juste pour faire juge l'encourir. Dénonçant les assassinats et agressions subies par des journalistes et avocats en exercice de leurs fonctions, en particulier des journalistes qui ont reçu des projectiles au cours des manifestations du 20 janvier, des avocats aspergés en plein visage de gaz lacrymogène au commissariat de Port-au-Prince, dénonçant des actes de répression syndicale exercés contre les syndicalistes haïtiens et les violations systématiques des libertés individuelles, dénonçant les manœuvres du régime PHTK cherchant à faire obstacle au procès Petro-Caribé des différents massacres organisés par son pouvoir, de dilapidation du fonds Petro-Caribé, d'Hermalog, fonds alloués au projet Banane, Agritrans, Sofidaï, de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire, des kidnappings d'État et autres actes arbitraires. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987 qui gagne nom Kocharko 87 adopte la résolution suivante. 1. Appelle le peuple haïtien à la rébellion
politique pour faire échec au plan dictatorial du président Jovenel Moïse en lui forçant de quitter le pouvoir au cas où il aurait refusé de le faire le 7 février 2021. Au plus tard, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les articles 134.2 et 134.3 de la Constitution 2. Appelle la communauté internationale à travers le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, OEA, et des ambassades à cesser de supporter un régime criminel et inconstitutionnel en Haïti 3. Appelle les peuples du monde entier, en particulier les peuples dits amis d'Haïti, de manifester leur solidarité au peuple haïtien dans ces démarches visant à se débarrasser de ce régime criminel rétrograde, corrompu et dictatorial. Appelle les syndicats du monde entier, en particulier ceux de l'Amérique latine, de la Caraïbe et de l'Amérique du Nord, du Sud de l'Europe, à faire solidarité aux travailleurs, travailleuses haïtiens, haïtiennes, qui sont devenus de plus en plus pauvres et dont les droits sociaux, économiques, moraux et syndicaux sont piétinés pendant ces 10 dernières années de pouvoir du régime PHTK à la tête de la République d'Haïti. Appel les différentes structures organisées du pays, partis et regroupements de partis politiques, organisations sociales, associations professionnelles, socioprofessionnelles, le secteur religieux, le secteur syndical et le secteur privé des affaires à s'asseoir rapidement dans l'objectif de trouver l'alternative commune avant la fin du mois de janvier en vue d'assurer la transition du pays après le départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021 vers le rétablissement de la démocratie. Et syndicat Sayo qui a annoncé 2 journées de grève générale dans le pays à 1er et 2 février Cap Vinla pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Sans pile organisation syndicale qui signe du Clos Bénissaoua, Mouvement Unité des Travailleurs Haïtiens, Change MEU, Secteur Transport Terrestre Haïtien, Franck-Georges Wilbert, Union des Normaliens et Enseignants Haïtiens, Joseph René Préville, Confédération des Travailleurs Haïtiens, Dominique Saint-Éloi, Centrale Nationale des Ouvriers Haïtiens, CNOA, Lenny David, Forum des Citoyens Engagés pour le Progrès d'Haïti, Déplamanis, SOS Transport Fédéré Métropolitain, Desardouin Mackinson, Coordination Nationale des Organisations Syndicales Haïtiennes, Dorville-Marc, Confédération des Secteurs Privés et Publics, Dumé-Sanson, Brigade Syndicale Anticorruption, Exalus Marie-Lucie, Union pour le Développement Social et Communautaire, Haïti, Arnel Rémy, Collectif des Avocats pour la Défense des Droits Humains, Frédéric Jean Lavaux, Confédération Nationale des Travailleurs Haïtiens, des Enseignants Haïtiens, Georges Rose, Thérèse Magali, Plateforme des Syndicats d'Enseignants, Juste Minefa, Regroupement National des Professionnels de la Santé du Premier Échelon, Mani Vénès, Junior, Union Syndicale des Transporteurs Haïtiens, Thomas Moïse, Association Chauffeurs Haïtiens, et Saint-Fort Dieu Maître, Plateforme Nationale des Syndicats de Transport Haïtien, Télémaque Pierre, Bataille Ouvrier, Théodore Marc Sorel, Syndicat pour la Rénovation des Ouvriers Haïtiens, Thomas Camille, Rassemblement des Chauffeurs de Tap Tap d'Haïti, Michel Calmé Henry, Association Nationale des Camionneurs Haïtiens, Valdor Louis Saint, Cercle des Transporteurs Publics Haïtiens, Saint-Clair Carmito, Respect des Ouvriers Haïtiens de la Manufacture, Dispose Chrisman, Plateforme Nationale des Syndicats de Transport Fidèles, Le Bon Marie-Louise, Fédération Nationale des Éducateurs,
l'islam en pile, sa nom, Nemwod, Union nationale pour la modernisation du transport, Jean-Louis Michelet, Organisation des transporteurs haïtiens et de services de formation, Almet Ivel, Ligue nationale des normaliens d'Haïti, Alexandre Nobert, groupe d'initiative des enseignants en lutte, Anelus Roberto, collectif les planteurs responsables pour l'avancement d'Haïti, Dugé Jean Dutot, réseau des enseignants et enseignantes haïtiens, Demosthène Milder, association des jeunes et vieux motivés pour le développement communautaire, Ocqueville Guilaine, Agir pour construire, Pierre Fénal, syndicat des chauffeurs propriétaires actifs du Sud-Est, Régis Bernard, Union des travailleurs haïtiens civils, Josnel, coalition des chauffeurs moto légal, Milo Lévy Félix, Fédération nationale des travailleurs de santé, FENATRAF, Rigaud Xavier, Fédération nationale travailleurs agricoles paysans haïtiens, c'est toute organisation SAYO qui signe notre SILA, Fablier nous dit, il y a deux journées de grève. Et pour nous finir, il y a le cadre qui préparait documents sous état des droits humains en 2020 en Haïti. Mais certainement, c'est un résumé, Napkabay, institué par le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme en vue de mieux comprendre l'évolution des droits humains et du processus de l'état de droit en Haïti. Le rapport sur droits humains en 2020 se résume sur 7 points. Droits socio-économiques vivant déjà dans la grande précarité, la population haïtienne a été considérablement affectée par la COVID-19, occasionnant la fermeture de nombreuses activités économiques et la réduction importante des salaires. Parallèlement, la monnaie nationale s'est largement dépréciée, 23% en moyenne. En outre, les 27 millions de dollars mobilisés par l'état d'urgence n'ont servi à une nouvelle opération de corruption et non au renforcement du système sanitaire fragile, 70% de la population n'ayant pas accès aux soins de santé. Les budgets 2019, 2020 et 2020-2021 n'ont pas servi à l'amélioration des conditions de vie, mais s'inscrivent dans la logique de consolidation et de la corruption et de gaspillage des deniers publics, explosion du service de la dette, 14 milliards de gourdes, etc. Les efforts de la banque de la BRH pour l'appréciation de la goutte n'a pas eu le boost économique escompté, renforçant au contraire la précarité de la population déjà en difficulté. De plus, la hausse spectaculaire du kidnapping a donné un coup de massue aux pauvres familles et à la classe moyenne, devant verser de fortes sommes d'argent, jusqu'à 200 000 dollars américains pour la libération d'un kidnappé. Grave violation des droits civils et politiques, l'arrêté du 20 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire ne suit pas l'encadrement défini par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les brutalités policières, usage de la force, processus de création du espionnage, terreur des groupes fantômes, au moins 297 assassinats, dont 257 par balle, 26 policiers tués, 24 par balle et 2 assassinats, au moins 796 kidnappings, ainsi que la Fédération G9 en famille alliée contrôlant au moins 35% du territoire électoral et l'organisation du kidnapping sur presque tout le territoire, aggravant la violation des droits civils et politiques, l'installation sur quasiment tout le territoire de cette organisation criminelle, disposant d'au moins 8 sources de financement, explique un processus d'institutionnalisation de la corruption, de la criminalité, érosion des acquis de l'état de droit, le dysfonctionnement du Parlement provoqué par le président Jovenel Moïse et l'inexistence quasi totale de la justice, consacre l'érosion du processus de construction de l'état de droit en Haïti et anéantit les acquis démocratiques post-86. Aujourd'hui, le
président s'approprie tous les pouvoirs de l'État. Il s'érige en exécutif législateur, une violation du droit de vote des citoyens et des principes démocratiques, notamment la séparation et l'indépendance des pouvoirs de l'État. Il a pris 41 décrets et 120 arrêtés pour l'année 2020, dont 3 portant sur un nouveau code pénal. Un conseil électoral provisoire avec pour mission d'organiser un référendum pour annoncer la Constitution, pour amender la Constitution, un service d'intelligence annie décret du 26 novembre, situation des défenseurs des droits de l'homme, l'impunité atteint aussi les défenseurs des droits humains, les dossiers de journalistes et de dirigeants d'organisations de droits humains sont restés dans les tiroirs avec la volonté de les bloquer, police inefficace, faisant face à une crise interne, non-respect des règlements par une frange des policiers et externe, extension des gangs armés sur tout le territoire, crise sociopolitique. La police nationale d'Haïti n'a pas les moyens matériels, humains, financiers et stratégiques pour remplir sa mission, protéger et servir. À titre d'exemple, l'institution a reçu des bailleurs de fonds pour la première et la deuxième année, respectivement 14,92% et 4,24% du budget d'investissement de son plan stratégique de développement. Et cette contribution assurément insuffisante et en diminution considérable illustre donc une police au rabais, comme l'a souligné l'ancien directeur général Michel-Ange Gédéon. Inexistence quasi totale de la justice, à peine sortie du log de 2019, la justice a été obligée de fermer ses portes avec l'état d'urgence déclenché par la COVID-19, puis des grèves en cascade se sont succédées, juges, greffiers, commissaires du gouvernement, et parallèlement la cour d'appel n'a pas siégé. La situation carcérale a empiré, des détenus meurent de faim et de maladies chroniques, cela est souvent caché. Ceux en attente d'être jugés sont de plus en plus nombreux. Les décès avoisinent 111. Dans certains centres, on pratique la torture physique et morale. À la prison de Miragouane, les détenus restent dans leurs cellules durant toute la détention, y faisant même leurs besoins. Corruption. L'état d'urgence a été une vaste opération de corruption durant l'année 2020. 30 contrats totalisant 27 millions de dollars américains ont été exécutés sans avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Aucune information n'a été fournie à la population sur ces 10 contrats. Ça, c'est résumé de l'état des droits humains en Haïti, de CARD, Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme de Maître Gédéon Zon, qui parlait de hausse de la criminalité, dépantèlement juridique, constante violation des droits humains. Merci de votre fidélité, Lovensky. Notez relativement long aujourd'hui, hein, actualité à demander ça tout. Alors, n'abra l'observer pause là, invité au commencer, river, bah quoi, malgré mise en contexte long ça, pour me partager tout le monde déjà là, et tout le monde déjà là,